Salut tout le monde, c'est Nink. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu Death Door. Je tourne cet épisode encore une fois à la suite du dernier parce qu'en fait je suis trop fan de ce jeu et que j'ai envie de continuer de ouf. Normalement je suis tombé sous le charme de ce jeu, je kiffe vraiment. Le gameplay est cool, il est beau, les musiques sont sympas. Donc continuons. On avait récupéré ce pouvoir qui permet de faire du feu. On a des nouveaux ennemis ici, je vais prendre des dégâts de feu. Ils se divisent, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ok, c'est fait une zone. Je sais pas si je peux. Je vais peut-être pas faire le coup. Je me demande si je peux reflect ce coup. Je pense pas, hein, il va nous suivre. Il va clairement nous suivre. Ok, il tue ses potes. Proposer une graine, ça serait une idée ça. Ah, le gaz ne prend pas les dégâts directs. Okay. J'ai vu l'écran se rapprocher un petit peu. Au moment où je suis rentré dedans, donc je suppose qu'il faut juste pas rester dedans. Putain, il fait ça quand même. Ok. Je suis combien en graines? 8, c'est vrai. Puis il y en a une autre là juste au-dessus. Enfin, je sais pas si je vais pouvoir la prendre tout de suite. Non.
reste bien dans la trajectoire, c'est bien. Pas assez, mais au final, je me suis pris. C'est au moment où il a attaqué. Bien heureusement, j'ai activé ce chemin avant. Au moins, je me fais de l'argent hein, quand je meurs. J'essaye de voir des bénéfices. Quoi? Comment ça, j'ai pris un dégât? J'avais pas vu qu'en fait j'avais activé le mécanisme sans faire exprès. Et c'est pour ça qu'ils sont apparus les monstres. Je peux pas y tirer dessus là. Ah si là. Oubliez votre histoire. Et déjà j'ai pris trop de dégâts sur le chemin. Pas doué. On va les esquiver les ennemis. Sur ta tête qu'on fait les combats. Non mais non. Ça prend tout. Oh là là. Je sens que cette phase va me gonfler parce qu'il y a trop de trucs en même temps. Il y a les ennemis à gauche, il y a les trucs qui poussent, il y a le mec qui te tire dessus. Il y a un peu beaucoup de choses à gérer en même temps. Ça, je prends les dégâts. La caméra voudrait pas se rapprocher un peu parce qu'elle est loin. Ah, merci. Ah.
te plaît, dans ce moment. Oh, pour l'instant, je pose une graine. Y a rien de particulier ici, champion. Attendez, ça permet d'amener une plateforme, non? Hein? Ok. Je vais faire exploser, mais je suis pas ici. Mais... je l'ai vu la flèche en plus, non. C'était pas dur en plus, ça. Je suis pourri d'être mort comme ça. Depuis quand il y a des ennemis dans des arbres ici? Ça bon, ajoute encore plus de challenge. Bizarrement. Ça me botte. Vraiment? Attendez, désolé. Ouais, normalement, vous avez eu le son qui a été coupé un peu. Je suis pas doué. Là sur cette phase, on va essayer de tracer parce qu'en vrai, me taper tout ça, c'est bien. J'ai l'impression que le problème de la boucle de feu, c'est que ça vise... il y a de l'auto-aim en fait sur les éléments. Vraiment? Ah bon, non, non. Ok, on y arrive. Non, sans mal.
faudrait que j'aille. Ah non, mais il y a un tapis roulant, mais j'ai. Oh non, il y a encore un mec qui. Ah, je vais l'éclater. Absolument pas. Il y a juste l'ennemi ici pour te faire un peu chier. Qu'il y aura un truc à activer en restant en temps. J'ai découvert qu'il y avait une attaque sautée. Voilà. Ah, c'est tout. Enfin, ce serait bien d'appuyer sur la gâchette. Je vais viser. Il va taper, ouais. J'oublie que je peux faire une roulade quand je fais ça pour éviter de. Bah, ce genre de choses. Entre autres. Ça devient complexe, hein. Ou alors c'est au-dessus. Possiblement.
On va voir c'est les deux. Ça devient complexe et chiant. Comme pour la zone d'avant, on esquive. Les combats que j'ai déjà fait. Si je pense. Ce que j'ai pas fait à la limite, je vais le faire. Je vois rien. C'est sympa cette zone. Ça passera quand même parce que la queue est. Ah non, mais il est muté donc là. Je me dis que ça peut être quelque chose. Mimi est loin. Je peux l'avoir depuis là-bas. Oh là, elle fait bouger la plateforme, elle fait flipper. Vraiment, y a rien. D'accord, donc en fait, tu pouvais juste passer à l'arrache. Ça va être le boss là. Ok, oui. Espèce de petit merdeux. Les corbeaux ne font jamais ce qu'on leur dit. J'essaie de sauver des vies, moi. Tu ne comprends pas. La mort ne voit pas ce qui ont caché leur force vitale dans une urne. Je peux duper la grande faucheuse en personne. Toi et moi avons moins de choses en commun, petit corbeau. Nous avons le même employeur. Mais il ne faudrait pas qu'il découvre tout ce que tu as pu voir ici. Oh, ça non. T'inquiète pas, je mettrai tes sangs dans une ravissante urne. Sorcière des urnes, mémé. Non, c'est pas dur. Ah, je pensais pas qu'il allait me toucher.
Oh là, le projectile, je l'avais pas vu venir. Putain, je l'ai vu en plus. Il y a un petit projectile vert qui était resté. Je l'ai vu au dernier moment. Ok, on va s'améliorer. On va augmenter nos dégâts. Je pense que je vais augmenter mes dégâts des sorts parce que j'aime bien la flamme. Ça transperce plusieurs ennemis, je trouve ça cool. Vraiment, je me suis pris ça là. Mais vraiment, j'abuse. Ils ont bugué sur ce terrain. Les bébiles. Ah non, mais vraiment augmenter les dégâts, c'est très efficace. José Pulture. Nous sommes réunis pour pleurer la perte d'une femme à qui on donnait beaucoup de noms. Sorcière des urnes. Harpie de céramique, enchanteresse des poteries, vieille bique des marmites. Et comme de juste, mémé. Poussée par ses instincts maternels et consumée par son acharnement à voir tromper la mort, elle a consacré toute sa vie à la magie, à la réanimation, aux potions et aux soupières. Son voyage s'achève ici, elle repose désormais en paix. Inclinez-vous en sa mémoire, en déduit un dernier hommage. Son temps, ce monde est révolu. Je suppose que je garderai toujours ma tête de soupière. Pourtant, j'espère qu'elle trouvera la paix. Elle va enfin retrouver grand-père. Mais en gars fourché, j'ai de l'eau dans le cerveau, littéralement. Mais plus sérieusement, repose en paix, mémé. Elle est morte comme elle a vécu, avec une soupière sur la tête. Pas trop ce que ça a représenté, le truc qu'on a vu là. Ok. Ah, attendez, parce que. Il y a un endroit où. Je comprends pas. Il me semble qu'il y a des endroits ici que j'ai pas. Attendez, je vais me TP plutôt que de faire le chemin parce que. Des endroits où je suis pas allé. What? Ah, je m'attendais pas à ça.
suis où? Ah, c'est lui notre fameux employeur, le maître des portes. Tiens, un corbeau. Bonjour, toi. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Ah, comme bon être le maître de toutes les portes de ce monde si mes larbins oublient toujours de les fermer. Ah, pourquoi es-tu là? Je n'ai pas vu de corbeau depuis bien des années. Vous avez toujours votre bec, c'est chouette. Je sens une puissante énergie animique en toi, petit corbeau. C'est une impression curieusement familière. Oh, c'est pour ça que tu es ici? Tu viens chercher une récompense? Tu as bien travaillé, mon petit. Bravo. Maintenant, sois gentil, dépose-le dans ton coffre. Tu n'as pas besoin de m'apporter les âmes directement. J'ai des choses plus importantes à faire. Ciao. Pourquoi il a la gueule d'un boss final, lui? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as déjà accompli ta mission? Attends, mais tu as une âme géante, mais ce n'est pas la bonne, je ne peux pas l'enregistrer. Comment tu fais? Bon, peu importe, repars chercher l'âme que je t'ai assignée. Si tu meurs sans finir ta mission, c'est peut-être moi qui devrais taper une bouton de paperasse. J'avais déjà lu ça. Alors attendez, déjà est-ce qu'il dit autre chose lui? Pour faire ça, j'ai l'impression que le monde est en train de stagner. Pas de nouvelle âme, plus rien à récolter. Pas de récompense pour moi. Non, c'est pas là que je voulais aller. Quoique, ça me va un peu comme chemin. Attendez. Parce que clairement, il y a des trucs que j'ai pas pu prendre ici. Déjà, il y a le quart de cœur là. Le fragment de vie. D'après, je crois. C'est ici, non, il me semble. Pas du tout, donc ça doit être là après. Ouais, voilà, c'est dans cette salle. Mais comment je vais... Ah, mais attendez, je peux peut-être juste... Bah oui. Et voilà, je peux monter là. Bien pensé tout ça. Hop, plus que deux. Alors juste, il y avait un autre endroit. Où il y a quelque chose que j'ai pas récup. C'était là au-dessus. J'avais juste à faire ça en fait. Champion. Voilà. C'était pas compliqué. Ah
En fait, je me dis que si j'avais équipé l'épée, la mémé, elle serait morte encore plus rapidement. Parce que l'épée fait plus de dégâts. Donc. On a combien de temps d'épisode? 36 minutes. Bah, je pense qu'on va. On va juste retourner au niveau de la porte du mec. Cimetière oublié. Pour voir s'il nous dit quelque chose. Et surtout, attendez, il y a un endroit, je crois que c'est à côté de la porte justement, que je peux utiliser le feu. Et ouais. Ah, je me lance dans autre chose, j'aurais pas dû. Non, mais c'est juste une petite zone, c'est pas un chemin, un grand chemin. Pas grimper, je pensais que j'aurais pu. Je pense que le prochain épisode ça va être beaucoup de fouilles vu que j'ai obtenu cette compétence et que j'ai des endroits qui sont accessibles encore. J'ai rien que là, je suis en train de faire ça alors que je voulais pas. Je veux dire, voilà. Enfin, je voulais pas, je veux dire, c'était pas prévu. Moi, ça me dérange pas de le faire, hein. Je veux dire, tout ce qui est annexe, moi j'adore dans les jeux. Donc... Alors, est-ce qu'on est d'accord que les gens qui n'ont rien à foutre d'une quête annexe, enfin, une quête annexe, je veux dire, de fouiller tout ça, de faire un peu de secondaire, les gens qui font pas ça dans les jeux vidéo, vraiment zéro, hein. Est-ce que c'est pas les plus gros connards qui existent? Parce que franchement, je trouve que c'est pas du tout respecter le travail des mecs qui ont bossé sur un jeu. Il y a un collectable en haut, il y a une boussole. Est-ce que ça serait pas un objet vraiment utile, la boussole? Genre le mapping, peut-être, enfin. J'ai envie d'y croire qu'il y a une carte dans ce jeu parce que. Moi je me connais. Hein. S'il faut que je me souvienne de tous les chemins où j'ai pas pu aller, ça va être compliqué. Donc ouais, les gens qui font pas de secondaire dans les jeux, ça. Ça m'énerve! Surtout ça te permet d'être plus fort. Et après c'est ce genre de personnes qui bossent pas en disant putain mais c'est bien. Bah ouais mais faut fouiller un peu. C'est juste des araignées que vous m'envoyez. Ça devrait pas être compliqué. C'est pas que des araignées. C'est merde. Sympa de tirer dès que t'apparaît, c'est cool. J'ai bien eu le temps de me préparer. Oh, le boss des araignées. Elle va faire pop des araignées, c'est sûr. Elle a des cocons sur son dos. Yeah.
pas fini. J'ai un peu flippé de la dernière araignée. Elle avait pas l'air de voir mourir, j'ai eu un peu peur. Si tout ça c'est pour avoir l'espèce de boussole, c'est que vraiment ça doit être un objet utile, s'il vous plaît. Putain, je peux. Ah, mais le chemin pour la boussole, c'est là. Ah. Donc la boussole doit pas être utile. Trouver une vieille boussole. Elle tressaute parfois pour s'orienter au gré de ses envies. On voit qu'elle est ancienne, son aiguille a dû perdre ses propriétés magnétiques. L'aiguille tressaute parfois pour son nain au gré de son envie, mais s'en pointait vers la porte de la mort plutôt que vers le nord. Elle devait appartenir à un explorateur qui cherchait la porte légendaire. Du coup, ouais, on a obtenu ici une âme. Puissante sorcière poussée par ses instincts. Ouais, c'est ce que le mec a dit tout à l'heure. J'ai. Non, ok. Je croyais qu'il y avait un raccourci, mais pas du tout. Eh, ça, ça peut être intéressant. Voilà. Pas du tout par là. Et voilà, l'épisode est pas en rallonge alors que. il y a genre 5 minutes, j'ai dit on va s'arrêter là. Hein. Ouais. Oh non! En plus, je me tape un détour alors que je peux même pas faire le truc que je dois faire ici. C'est du troll. Il me faut deux compétences que j'ai pas. Le truc qui permet d'exploser le mur et l'espèce de grappin pour m'accrocher à ça. Génial. J'adore. J'adore rire. Bon, du coup, on va juste aller vers la porte du mec, comme je disais tout à l'heure. Oui, mais comment je me barre, en fait? Attendez, il y avait une porte, non? Non, je sais plus. Je ne sais pas. C'est quoi ce chemin? Ça sort d'où? Je comprends rien. Ok. Je suis aveugle. Ah, je suis ici, ok. Du coup, allons juste à la porte du mec. Et le secondaire, on verra ça plus tard, ok? Ok. Il est toujours là, je faisais plus dur, ouais. Comment se passe-t-il? Tu cherches toujours une réponse à ma situation. Pourquoi ne puis-je pas mourir? Perdu un ami cher autrefois, je l'ai enterré sous la clarté de la lune. Depuis ce jour, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Je me demande si je pourrais me sentir à nouveau entier. Bon, d'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué, il y a un jeu de mots avec son nom. Jo Sépulture, voilà. Je dis les choses, hein, que où. Non, parce que j'avoue que je n'avais pas capté la première fois que je l'ai lu en fait, donc donc voilà. Incroyable, en si peu de temps, tu en as fait bien plus que moi pendant toutes ces années. Si tu parviens à récolter les âmes des deux autres géants, nous pourrons ouvrir la porte de la mort. Tu devrais aller à l'est, au-delà de la forêt. Là-bas, un roi autoproclamé règne sur les ruines d'une cathédrale inondée et tourmente les habitants de la forêt. Ok. Bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a combien de temps du coup? Et voilà, on a 45 minutes. Ça fait 10 minutes que j'ai dit que cet épisode aurait dû s'arrêter. Bordel! Bref, c'est pas grave. Du coup, ouais, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!